Salam alaikum mes gourmands, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est pain pour faire les doner kebab. Donc, c'est des petits pains tout simples à faire. Si vous avez le robot, c'est idéal. Donc, dans le robot, vous allez venir mettre 130 ml de lait tiède. Vous allez rajouter 20 g de levure fraîche. Et moi, je n'avais pas de la levure fraîche, j'ai mis la déshydratée que j'ai diluée dans de l'eau tiède. Donc, voilà. Après, vous allez venir ajouter une cuillère à soupe de sucre semoule. Ça reste facultatif. Et 110 g d'yaourt nature. Un pot d'yaourt nature. N'importe quelle marque, vous pouvez utiliser. Donc, vous allez rajouter 130 ml de lait tiède. Mais moi, j'ai pris le verre là où il y avait la levure. J'ai mis un peu. Comme il restait un tout petit peu collé sur les bords, j'ai mis l'eau. J'ai mélangé un tout petit peu. Donc là, on va venir ajouter la farine, 600 g de farine, mais rajouter progressivement. Je vous dis tout le temps, il y a des farines qui absorbent beaucoup plus que d'autres, donc mieux vaut l'ajouter progressivement et pétrir tout doucement. Donc on va pétrir tout doucement jusqu'à ce que la pâte se décolle. Normalement, il faut compter 5 minutes. Après, on va venir ajouter le sel et 60 g d'huile de tournesol ou n'importe quelle huile, rajoutez la matière grasse que vous aimez. On vient, on va pétrir le tout. Regardez ce que ça donne. La pâte est élastique. On va la travailler vite fait et former une boule. Donc on va former une boule. La pâte, elle est collante, elle est élastique. Donc désolé pour le cadrage, regardez comment c'est. Ne rajoutez pas de la farine. Donc là, c'est bon. On va couvrir et laisser doubler de volume. Donc, voilà. Vous allez mettre du papier film dessus. Vous connaissez la chanson, poser un torchon dessus. Après, on va laisser doubler de volume. Donc après le temps de repos, on saupoudre légèrement le plan de travail de farine. Après, on vient en forme des boules. Moi, les boules, je les ai pesées parce que je voulais avoir des doneurs de la même taille. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi, je les ai pesées. J'ai eu 90 grammes à peu près pour chaque doneur. Donc voilà. Et comme je vous ai dit, ça reste facultatif. Mais moi, bref, j'étais obligée de peser. Donc vous pouvez déjà faire la farce et le mettre de côté. Mais pour la farce, chacun fait comme il veut, hein. Vous pouvez le faire avec de la viande d'honneur ou du poulet ou du mouton, ce que vous voulez. Donc voilà, comme je vous ai dit, on vient en forme des boules. Donc la taille dépend de vous. Le nombre aussi, ça dépend de vous. Moi, j'ai eu peut-être 9 ou 10, je ne sais même plus trop. Donc, on va les couvrir, mais on ne va pas les laisser doubler de volume. On les couvre et on étale à chaque fois. On ne laisse pas du tout reposer. La pâte, on l'a laissée reposer qu'une seule fois. Donc là, on a formé les boules. On va venir étaler environ 15 cm d'épaisseur, de diamètre à peu près. Donc, regardez ce que ça va donner. Donc, la taille aussi dépend de vous. Faites comme vous voulez. Moi, j'ai fait pour 15 cm, mais vous pouvez faire un peu moins, un peu plus. Hein. Voilà. Donc, on étale, on pose. Donc, vous étalez, vous posez directement sur le plateau. Le four, il est déjà préchauffé à 250 degrés, parce que la cuisson, elle est trop rapide. Moi, le mien, j'ai fait à 250, à chaleur tournante, c'est-à-dire le haut et le bas. Donc, c'est très rapide à faire. Donc voilà, hein, les fours. Vous connaissez la chanson aussi, les fours, tous les fours ne sont pas pareils. Chez moi, c'est 250, peut-être chez vous, ça peut être moins ou plus, je ne sais pas. Donc en tout cas, la cuisson elle est trop rapide. Là, on ne les laisse même pas reposer. On met au four. Regardez comment j'ai mesuré le mien. Voilà, j'ai fait avec ça, c'est 15 cm. Donc voilà, j'ai la même taille. Donc j'étais obligée de peser. Regardez comment ça gonfle, mashallah. Regardez comment c'est. Et ça gonfle, voilà. Donc là, ça va dorer. Et voilà, après on les sort, on les laisse refroidir et on met le deuxième plateau qu'on avait fait tout à l'heure. Faut couvrir pour pas que ça dessèche le dessus. Ça a bien gonflé, mashallah. Regardez, on va mettre au four.
Et voilà, regardez nos petits donneurs, ils sont trop bons. Donc garnissez-les comme vous voulez. Vous pouvez faire avec tout ce que vous aimez, salade, tomate, oignon, carotte, je sais pas quoi, betterave. Regardez comme ça gonfle, mashallah, c'est bien gonflé. On va découper, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Ça, c'est le deuxième plateau. Donc voilà, regardez ce que ça donne. Je vais découper un pour vous montrer ce que c'est, ce que ça donne à l'intérieur. Moi, j'avais fait un de plus, mais ça, c'était pour une amie. Regardez, c'est comme ça, c'est vide. Et voilà, après, vous garnissez comme bon vous semble. J'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle recette. Salam alaikum. Tchuss.